Chacun de nous puisse découvrir le bonheur, la joie et la paix promis et apportés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis cette bénédiction être pour vous le gage d'une nuit tranquille, d'une nuit dans la paix. Nous allons conclure. Nous allons conclure notre prière, nous allons conclure cette journée comme le font, nous l'avons dit, les chrétiens depuis longtemps, en entendant le Salve Regina de nouveau, mais dans une autre version. Je vous propose de l'écouter les yeux fermés et en ouvrant vos mains, en les posant ouvertes sur vos genoux, les paumes vers le haut. Nous prions avec les sœurs. Marie, notre reine, nous te saluons. Salve Regina. Notre célébration touche à sa fin. Nous avons découvert ensemble davantage Marie comme une mère et comme une reine de miséricorde. Marie est aussi celle qui est la première à nous conduire sur le chemin de la sainteté. Demain, vous aurez l'occasion, à travers les témoins, à travers ceux qui vous diront combien aujourd'hui le Christ est présent dans leur vie, que la sainteté continue encore aujourd'hui, qu'il est possible de se lever à la suite du Christ. Avant d'aller dormir, priez pour ceux qui vont recevoir le sacrement des malades.